Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce lundi 1er juin, donc 2020, bien sûr. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire qu'en description sous la vidéo, il y a mes deux chaînes YouTube secondaires, donc n'hésitez pas à les visionner, bien entendu. Voilà, la principale des deux, c'est Boucherie Info, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner, à liker et à partager les vidéos. En masse, voilà, il faut arriver à faire remonter tout ça. On est déjà à 96 abonnés. Franchement, merci à ceux qui se sont abonnés et ceux qui le font et ceux qui le feront. Merci infiniment. Donc, une chaîne à aller voir et n'hésitez pas. Voilà, je vous montre mon travail, je vous montre ce que je fais. Donc, et puis dans l'humeur et la joie. Ensuite, en info, ici, vous aurez le pronostic écrit du Quinté Plus, donc n'hésitez pas à aller le visionner également. Donc voilà, ça se passe là, c'est tout écrit. Ce que je vais dire là, ce sera là. Voilà. Donc sur ce, on va attaquer le pronostic Quinté Plus de ce premier jour du mois de juin. Voilà, l'été approche, on le sent d'ici. J'espère que tout va bien chez vous. Et puis on peut y aller. Donc ce sera là, R1 C4 à 15h15 à Deauville. Ce sera le grand handicap des milliers. Ce sera du plat sur 1600 mètres et il y aura 18 partants. Mon niveau de confiance sera de 2 sur 5 pour cette course-là. Alors j'ai pris quelques risques, donc méfiance sur cette course. Mon favori sera le 18 Zalamea, monté par Mendizabal. Ma base sera le 12 Harriz, monté par Moss. Mes outsiders seront le 14 Millfield, monté par Demuro. Le 17 Furious des Aigles, monté par Eon, et le 6, tant pis pour eux, monté par Thomas. Donc mon jeu simple sera le 18, mon second favori le 12, mon tocard le 14, et mon regret le 10, Zavrinka, monté par Pasquier. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 18 et le 12, mon 2 sur 4 combiné sera le 18, 12, 11, mon couplet combiné sera le 18, 12, 11, 14. Et mon multi en 7 en champ total sera le 18, le 12, le 11, le 14, le 15 et le 17. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 18, le 12, le 11, le 14 et le 15. Pour ce qui est de mon Quinté Plus, un champ réduit, que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, mais jouez-le modérément. Il est assez élevé en mise, même en flexi, et très dur à faire entrer, donc allez-y vraiment mollo dessus. Ce sera le 18, le 12, le 11 dans ma base, et le 14, 15, 17, 1, 6, 10 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu, jeu en 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu. Ce sera le 18, le 12, le 11, le 14, le 15, le 17, le 1 et le 6. Voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce lundi 1er juin. Donc n'hésitez pas à aller voir mon pronostic écrit du Quinté Plus qui est affiché en info. Mes deux chaînes YouTube secondaires, dont la principale Boucherie Info, sera en description sous la vidéo avec celle des jeux vidéo. Elles seront également en info. Et en fin de vidéo, vous aurez la principale des deux, Boucherie Info, en lien en fin de vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner avec le petit logo qui est là, sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Puis moi, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et on se revoit ce soir. Allez, ciao ciao les potos!